N.A. est mort. Artistry, Taliman, staff. Comment être fier d'être français? De Marseille et jusqu'au-delà des frontières. Élevé à liberté, égalité, fraternité, humanité. J'ai dû me résigner à la fatalité. Comment pourrais-je être fier d'arborer ma nationalité? Avec le temps, j'ai trouvé plus de défauts que de qualités. Combien sommes-nous à subir la précarité? Est-ce qu'on est concerné par les réformes de leur fiscalité? Ils veulent nous coller à la peau le thème de l'insécurité, alors qu'elle est préméditée par les tenants de l'autorité. Je peux pas comprendre qu'il y ait de plus en plus de fauchés, que même les gens qui travaillent dur ne puissent pas se loger. En fait, je suis né ici, mais je m'y sens étranger. Quand les ressources abondent, quoi, nos familles seraient en danger. Et ils nous donnent des tonnes d'explications malsaines, mais rien ne justifie la haine du temps des humains dans la scène. C'était dit à tous les oubliés comme Brahim Bouara. Je crains qu'aujourd'hui Marianne ait oublié de sonner l'alarme. Pourquoi serais-je fier d'être français? Je laisse la question en suspens. Demande à mes frères et sœurs qui ont la peau foncée. Comment serais-je fier d'être français? Les trois couleurs du drapeau de Marianne au quotidien ont décidé de nous offenser. En France, il vaut mieux être un ami du MEDEF, car le commun des citoyens peut se retrouver vite SDF. Les foyers vivent à crédit, écroulent sous les dettes. Après cette saignée, toute une vie, on renégocie leur retraite. Certains ont des duplex au HLM de Paris, d'autres pratiquent le délit d'initié quant à la bourse, ils parient. Pourquoi dans le mal ont-ils placé la barre aussi haut? Le pouvoir équivaudrait-il aux abus de biens sociaux? Quel héritage avons-nous laissé à l'Afrique? J'ai vu une mère jetée à terre et battue sous les coups des flics. Et quand on parle violence, souvent c'est leur police qui la commet. Te rappelles-tu de Malik ou c'est qui? Wanda et Macomé. Ils ont coupé les vivres aux anciennes colonies. Ils poussent les habitants des quartiers et des blocs à l'agonie. Le poids de la douleur dans le cœur des miens s'alourdit. Démocratie parlementaire, nous n'avons qu'une parodie. Pourquoi serais-je fier d'être français? Je laisse la question en suspens. Demande à mes frères et sœurs qui ont la peau foncée. Comment serais-je fier d'être français? Les trois couleurs du drapeau de Marianne au quotidien ont décidé de nous offenser. On peut reconnaître la bête immonde acérale. On juge une nation à travers son univers carcéral. On peut tester la cohésion sociale quand ça dérape. Quantifie la rage d'un peuple dans ce qu'il écrit dans ses rats. Ils énumèrent les problèmes que nos gosses créent pour justifier le jet de grenades au sein de nos mosquées. Parce qu'ils accroissent le fossé entre les pauvres et les riches. Nos préoccupations vitales sont des problèmes dont ils se fichent. Parce que les présidentielles sont leur ultime échéance. Ils veulent nous berner sur la loi de l'égalité des chances. On en oublie notre dette envers le Sénégal et le Mali. On en oublie l'assassinat du jeune Ibrahim Ali. Ce n'est rien de dire que la justice a deux vitesses. Car pour nous, elle est en cinquième au point mort quand les pourris testent. J'ai connu une époque où il était bon de vivre ici. Aujourd'hui, cette terre enchérie de violence et d'hypocrisie. Pourquoi serais-je fier d'être français? Je laisse la question en suspens. Demande à mes frères et sœurs qui ont la peau foncée. Comment serais-je fier d'être français? Les trois couleurs du drapeau de Marianne au quotidien ont décidé de nous offenser. C'est avec les démons que leurs médias se marient. Qu'importe qu'ils se nomment Philippe, Nicolas ou Jean-Marie. Ils stigmatisent tous les jeunes qui vivent dans les quartiers. Ils disent les noirs et les arabes, il faudrait que tous vous partiez. Eux seuls voient l'avenir sous les meilleurs auspices. Eux seuls envoient leurs parents terminer leurs vieux jours à l'hospice. Ils développent une politique hyper sécuritaire. Se foutent de nos enfants, zone d'éducation prioritaire. L'enseignement correct, il n'y a que les nantis qui ont droit. Les enfants de Marianne n'ont peut-être pas tous la tête de l'emploi. On pointe à la CEDIC, les autres partent chez le notaire. Ils creusent les écarts pour créer une guerre intercommunautaire. Les hommes en bleu n'ont pas appris à contrôler leurs pulsions. L'immigration se résumerait à leurs mesures d'expulsion. Et je n'aime pas l'égoïsme, le racisme, l'ultralibéralisme. Quand Marianne sombre dans le nationalisme. Pourquoi serais-je fier d'être français? Je laisse la question en suspens. Demande à mes frères et sœurs qui ont la peau foncée. Comment serais-je fier d'être français? Les trois couleurs du drapeau de Marianne au quotidien ont décidé de nous offenser. Les trois couleurs du drapeau de Marianne au quotidien ont décidé de nous offenser.